Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler du biais d'ambiguïté. L'effet d'ambiguïté est la tendance à éviter ou à ne pas prendre en compte les options pour lesquelles nous manquons d'informations. Et c'est un de ces biais cognitifs qui, lors d'une prise de décision, conduit à choisir l'option pour laquelle la probabilité d'une issue favorable est connue au détriment de celle dont la probabilité d'une issue favorable est inconnue. Cette tendance peut conduire à des comportements surprenants comme cela a été montré par Daniel Ellsberg dans son article en 61 publié dans le Quarterly Journal of Economics. Le chercheur présente ainsi une situation dans laquelle deux boîtes sont remplies de boules rouges et boules noires. Dans la boîte 1, il y a autant de boules rouges que de boules noires. Dans la seconde boîte, la répartition est inconnue. Il s'agit de miser sur la couleur qui va être tirée à l'aveugle. Selon Ellsberg, lorsqu'on demande à des gens quelle boîte ils choisiraient pour miser sur la couleur rouge, la majorité choisit la première boîte. Les mêmes personnes choisissent également la boîte 1 pour miser sur la couleur noire, même si ce n'est pas statistiquement cohérent d'après le chercheur. En effet, il est impossible d'avoir à la fois plus de chances de tirer une boule rouge dans la boîte 1 et plus de chances de tirer une boule noire dans cette même boîte. Une explication possible de cet effet est que les gens ont des raccourcis mentaux, ce qu'on appelle les heuristiques. Ce que finalement le codex des biais essaye de répertorier. Ces raccourcis mentaux évitent des options où l'information est manquante. Cela les conduit souvent à rechercher les informations manquantes, mais, dans de nombreux cas, l'information ne peut pas être obtenue. En somme, l'effet se produit souvent lorsqu'un manque d'information attire l'attention d'une personne.